Et là, on a pris en direction département Nord pour nous aller jouer aux jeunes Richardson Joudan, puisque nous sommes collaborateurs, nous, Richardson Joudan avec PEMS Jean-Baptiste, certainement, qui est allé dans le département Nord et qui a touché plusieurs départements pour nous. Parce que pour être rentré dans le département Nord, il faut que nous disions que il était passé dans le département Latibonite. Et très certainement, pour aller pour capable de permettre nous une idée de comment travailler à avancer dans le département Latibonite dans le cadre de caravane jugement. Richardson Joudan dit nous comment ça y est pas avec ensemble zone nous t'es visité pour nous pour week-end ça. Bonsoir Ricardine Desanges, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision Nationale d'Haïti. Nous déjà connaissons, c'est chaque week-end Télévision Nationale d'Haïti mobilisée dans différents coins des pays pour faire population qui s'est réalisée dans le cadre de caravane changement. Pour week-end ça, premier côté nous terrain nous c'est sur route Kafou Joff là. Les nouvelles nous jeunes Gondalo qui a construit sur route ça. Nous pas traité là, nous t'ai parlé tout avec délégué départemental Latibonite qui c'est Herbie Dalancou, lui-même qui font râler des divers travaux gouvernement a réalisé dans la région Latibonite là. Du quoi jusqu'à présent, il y a un gros travail qui a fait dans le département ça. Après nous terrain nous sur route Gomod là. Sur route Gomod là, nous avons plusieurs techniciens TPTC qui là qui a travaillé côté a fait canal sur tout ça. Nous pas traité là, nous t'es allé dans la ville Port de Paix, précisément dans le parc Cap-à-la-Mort. Côté gon pelouse tout neuf, grâce à la présidence, nous dans zone ça, on parle de jeunes côté pour jouer petit football yo, comme ça doit. Après, nous t'es parlé avec le directeur départemental MJ Sakla, lui-même qui parlait de l'importance pelouse ça gagne pour le monde qui joue football dans le Port de Paix. Nous pas traité là, nous t'es parlé tout avec le délégué départemental Nord-Ouest là, OLTOC, qui parlait des divers travaux qui a fait dans la région Nord-Ouest là. Côté le monde, la population content, des ensemble travail ça qu'a réalisé dans la région PAL là. Après nous terrain nous sur route Saint-Louis du Nord là. Sur route Saint-Louis du Nord là, là nous venons nous jeunes c'est élargissement et puis terrassement qui a fait sur tout ça. C'est comme ça nous t'es passé pendant tout week-end là, toute équipe a été mobilisée en façon pour être capable de faire population ouais. Qui ça qu'a réalisé? Ben regardez jeudi à l'émission spéciale ça qui a fait autour de 100 mètres carrés qui a été exécuté dans le cadre de caravane changement mais était ciblé pour nous région Nord là et là nous calé rapidement Jean quelques notes qui est dans l'introduction lien, nous prenons la route Saint-Louis du Nord pour nous capables de une idée de qui ça qui gagne dans la zone ça par rapport avec le travail qu'avant le changement a été exécuté dans la région Nord, pays d'Haïti. On a continué à montrer la population le travail qu'a fait. Sous route Saint-Louis du Nord là. On va regarder avec nous l'image là, après mettre au comprendre ça qu'a fait sous route ça. On va regarder là que plusieurs techniciens TPTC qui a fait élargissement, terrassement sous route Saint-Louis du Nord là. Tout travail ça est entré dans le cadre de caravane changement. On va plutôt regarder l'image là avec nous. Or tell us that.
N'a pas quitté pour Kounia, Saint-Louis du Nord, nous allons dans la commune Jean-Abel, mais nous avons toujours été dans la commune qui lui-même a fait avancer dans le cadre de la caravane. Et pour Kounia, on va regarder ensemble comment ça y est dans la commune Jean-Abel, toujours dans le département nord-ouest, ensemble avec Richard Sounjoudak et Pence Jean-Baptiste. Prison nationale d'Haïti décrété la permanence. Nous mobilisons tous les côtés. Et en façon pour nous capables de continuer à faire. La population, ouais, au soir, et qu'on est qui ça cap fait dans le cadre de caravane de changement. Côté nous, là, c'est dans le département nord-ouest pays d'Haïti. Précisément, sur route Port de Paix, Jean-Abel, là. Donc, on est route ça, c'est une route qui te compte un pile problème. Nous, sur route là, nous venons là déjà plusieurs fois. Nous retournons là encore. Nous avons plusieurs techniciens. TPTC qui a fait terrassement, qui a fait élargissement sur route là, en façon pour eux, comme ils sont capables de retirer la population qui a fait la zone ça, dans la calamité, ils sont habitués à jouer sur route ça. C'est ça que fait nous là, nous venons regarder ça qui a fait là, nous avons quitté regarder avec nous l'image. Grâce à l'image ça, nous avons une idée de travail qui a fait sur route pour des pères Jean-Abel là. Nous invitons à regarder l'image avec nous. Or tell us back.